nous puissions entrer, et moi je le crois vraiment en ce moment, je le ressens très très fort, dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Tu peux dire à ton voisin, Dieu nous prépare pour qu'on rentre dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Amen. Et c'est vrai que quelque part, eh bien, des fois, les choses ne se passent pas sans embûches. Et certains l'ont fait parce qu'ils ont tout perdu. Mais là, j'en ai une chose, c'est que là, Job, ce qu'il vit est extrêmement difficile. Et vous savez, en ce moment, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Et je ne voudrais pas que nous puissions passer du coq à l'âne, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il faut que nous comprenions certaines choses. Et quelque part, et moi, ce que j'aime dans le livre de Job, chapitre 1er, et tout cela, Job ne pécha point. Et j'ai envie de dire, vous savez, le fait de réagir contre Dieu, et il en a parlé, Luc, le week-end passé, peut nous amener à pécher dans notre manière de réagir vis-à-vis de Dieu. Vous savez, je crois qu'en ce moment, le Seigneur est en train de nous enseigner en particulier, et il le fait au travers de sa parole. Mais la Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha point, écoutez bien, et n'attribua rien. Job, chapitre 1er, verset donc, 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire amen. Est-ce que Dieu est en train de nous dire de manière prophétique, il va y avoir une montée de l'Esprit de Dieu qui va, comment dire, nous toucher, nous bouleverser. Et cette vision qu'il a, c'est pour aujourd'hui. Et il voit sa gloire, sa présence s'intensifier. Et elle va s'intensifier parce qu'un flot en appelle un autre. Vous savez ce qui va faire venir le Seigneur dans cette église? Je vais vous lire ce matin. C'est ne pas nous satisfaire de ce que nous avons. Et je voudrais dire ce matin, le dire à la montée à certains, parce que tu vis peut-être quelque chose de très fort avec le Seigneur depuis longtemps, le Seigneur te dit, tu t'es arrêté. Peut-être que tu en es au stade des chevilles, peut-être que tu en es au stade des mollets, peut-être que tu en es au stade des reins, le Seigneur te dit, c'est bien encore plus grand que tu peux le penser, l'imaginer. Et si tu t'arrêtes en chemin, ça veut dire que tu vas te priver, pardon, de la révélation de mon amour. Et puis aussi de cette manifestation de mon esprit qui veut saisir tes tripes et te toucher, te bouleverser, et comme disaient les Canadiens, tomber en amour.